RTL Matin. Le pro de l'info. 8h13, bonjour Pascal. Bonjour Yves. Pascal, c'est la saison des champignons et des prix Nobel, chimie, physique ou économie. On l'évoquait il y a quelques instants avec François Langlais. N'est-il pas temps d'inventer de nouvelles catégories ? Ah, je devine vos intentions. Moderniser, l'horrible mot, l'institution, inventer le prix Nobel de la bêtise qu'on décernerait à qui vous savez. Ou le prix Nobel du buzz qu'on attribuerait à tous. Ne comptez pas sur moi pour cette forfaiture. Le prix Nobel illustre le temps d'avant, le temps long. On travaille des années à l'abri de la fureur du monde, 40 ans, dans l'indifférence, dans le secret, dans la persévérance. Et un jour, on décroche la timbale, quelques semaines avant le cercueil. Jadis, l'excellence impliquait la célébrité. Aujourd'hui, la célébrité signifie l'excellence. On a inversé le processus. Je ne connaissais pas cette Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature que personne n'a lu, au contraire de Michel Drucker, qui écrit toujours le même livre depuis 20 ans. Toi, t'es pas un prix Nobel, me disaient mes parents lorsque j'étais enfant, c'est certain. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le changer. Pascal Praud, pour son pro de l'info.